prices talked around. The world financial markets are way down today following dramatic developments. 目前雷曼兄弟已经进入了破产清算程序，著名的会计事务所。In September 2008, the bankruptcy of the U.S. investment bank Lehman Brothers and the collapse of the world's largest insurance company, AIG, triggered a global financial crisis. Overnight, with Asian stocks, stocks fell off a cliff, the largest single point drop in history. Share prices continued to tumble in the aftermath of the Lehman collapse. The result was a global recession, which cost the world tens of trillions of dollars. Notre système alimentaire ne vise qu'une chose, l'efficacité. On ne cultive plus qu'une variété restreinte de plantes dans un marché dirigé par une poignée d'entreprises. Et malgré sa grande efficacité, le système est de plus en plus précaire. Il va finir par s'effondrer. Quand ? Ça, personne ne le sait. L'agriculture moderne nécessite une quantité phénoménale de pétrole. On consomme sur notre ferme 150 000 litres de diesel annuellement. On mange beaucoup de pétrole sans le savoir. Il faut 285 litres de carburant pour amener le bétail à l'abattoir. Il est évident que cette machine hyper efficace n'a pas les reins assez solides pour faire face aux fluctuations du prix de l'essence. Food prices last month were 3.9% higher than they were a year ago. We'll take corn, another basic source of food, up to a 12-year high. On vend nos céréales partout dans le monde à un prix dérisoire. Les agriculteurs des pays non subventionnés n'arrivaient pas à faire face à la concurrence. Leur capacité à subvenir à leurs besoins s'est effritée. Le monde n'a plus de quoi se nourrir et personne n'en parle. On n'a aucune réserve. There've been protests around the world. The food crisis has already brought down one government.
Tous les mois, une nouvelle histoire dans les médias lève un peu plus le voile sur les secrets de l'industrie alimentaire. Yet they never gon' walk out. Boxada, never gon'